Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un nouveau live. Et oui, maintenant on fait des lives à toute heure, il y a plus du tout de règles ici. Ça y est, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à MMA Story France si ce n'est pas encore fait. Là, on va aller prendre des nouvelles de Jorick Montagnac parce que vous savez, il combat à l'Octagone demain et évidemment, il vient de passer sa pesée officielle et on va savoir comment ça s'est passé, comment il se sent, tout simplement. On va juste prendre des nouvelles. Voilà. Alors, je vois que Jorick est là. Ah, bah, il y a mon frère. Coucou, mon frère. Il est juste là. Super. On va démarrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mais on va pas trop embêter Jorick quand même, parce que là, ça va être le moment de la concentration. Jorick, j'ai validé. Je sais pas si tu as reçu. Ça va, Salut, tu m'entends? Jorick. Ça va, très bien, et toi, merci. Bah, écoute, ça va? Tu m'entends bien? Ouais, nickel, tout passe bien, ça passe bien. Bon, bah, c'est parfait alors. Bah alors, je t'ai suivi là tout à l'heure sur YouTube, donc pour ta Yeah. pesée, sachant qu'à 17h, il y a un autre rendez-vous, c'est pour le pays, j'imagine. C'est Ouais, bien ça? un peu médiatique, ouais. Bon, alors, tu étais à 93-0, c'est ça? Ouais, j'étais à 80 tout 93-0, ouais, c'était particulier, je me suis levé à 94-200. Je suis parti faire un peu de. Je suis parti faire un petit running et tout. Et il s'avère que j'ai grave perdu. Il s'est passé bah, une petite heure et je crame beaucoup comme j'avais fait mon process de surhydratation. Donc j'ai beaucoup sué. Et quand je me suis pesé, j'étais surpris. J'étais à 93,05. Tant mieux. Tant Parfait, mieux, tant c'est mieux. tout ce qu'on Ouais, parfait. demande. Je crois que ton adversaire, lui, par contre, c'était un peu limite, c'est ça? Au Ouais, niveau du je crois poids, il qu'il me a voulu semble. se peser en short. Il me semble qu'il était un peu plus. Et après, il a dû se peser tout nu pour faire le 95, 93,5. Ouais, ok. Du coup, Bon, bah écoute, hein, tranquille. ça y est, t'as repris un peu des forces depuis. Ouais, gentiment. Bah là, en fait, je me suis pesé il y a quoi? Il y a un petit peu plus d'une heure. Donc, je suis encore en train de boire avec prendre mon temps de boire et de réingérer pas mal de glucides sans trop forcer. J'ai mangé un petit peu, mais tu sais, j'ai fait un gros cétogène. J'ai fait 4 jours de cétogène. Donc là, j'ai un peu de mal à réingérer les glucides. Donc là, pour le moment, Ouais. j'attends. Et puis à midi, c'est parti. On va recharger ça jusqu'à ce soir. Ouais, on sait à quel point tu aimes le Hein? Ouais, cétogène. moi, c'est pas fou. Ouais. C'est une bonne galère quand même. Oh, c'est une galère sur tous les points de vue. Ton corps commence à suer bizarrement, des odeurs qui ne sont pas les tiennes. Du coup, ça dérègle un peu tout ton corps, mais bon, c'est le game, hein, c'est pour ça qu'on a signé. Ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est un retour quand même, parce que ça fait un an, c'est un an déjà. Ouais, plus d'un an même. Plus d'un an. Bah, la dernière fois qu'on a fait le job avec Daniel, c'était en novembre, le 6 novembre 2021. Ça Donc là, date. on est à un an et 2 mois presque. Ouais, Du donc là, coup. t'es impatient, ou ça va Ouais. tranquille, tu prends ça sereinement? Ben, c'est un mélange de tout, un mélange de plusieurs émotions parce que l'événement il est un peu grand quand même. Je sens que c'est grand. L'hôtel est beau, l'aréna est balèze. Je suis passé, ben, elle est juste à côté, elle est juste en face. Je peux vous la montrer si vous voulez. Est-ce que je peux changer le. Oui, attends, bougez pas, je vous montre Yes. l'aréna. Ah ouais, on voit tout ça. Donc là, du coup, je suis dans ma chambre et l'aréna est juste là. L'aréna, Ah elle est ouais. juste là. Elle est vraiment Oh bah. monstrueuse. Elle est vraiment Ah bah, monstrueuse. tranquille, on peut y aller à pied, quoi. Ah oui, tranquille à pied. Quand je vais sortir du combat, je vais pouvoir repasser dans ma chambre tranquillement, prendre ma douche et tout ce qui va bien. Ça, j'aime bien. J'aime bien pouvoir être vraiment à proximité de là où je combat. Ouais, là c'est mieux, comme ça tu peux être dans ta bulle tranquillement et ouais. Ouais. Écoute. Ok, bon, ça a l'air d'être balèze Octagone hein, quand même. En plus, vous êtes deux Français sur la carte. C'est quand même un truc de fou. Pourquoi? Parce que quand même, Alex Loret là-bas, c'est une star, quoi. Ouais, on s'est croisé ce matin, on s'est passé un big up, et voilà, on est là, on fait le job. Il y a aussi Keita, le Belge, qui parle français, donc c'est bien de pouvoir Oui. parler français avec quelques personnes, tu te sens un peu plus à la maison. Parce que bon, il faut surtout pas oublier qu'on est en terre hostile. Donc c'est C'est important, vrai. ça fait plaisir. Yes. Coucou à Aldric Cassata que je viens de voir passer. Et puis coucou à tous ceux qui sont là. Merci de suivre le live. Vraiment, là, on vient Avant, prendre des n'oubliez pas nouvelles. avant qui était mon nom. Comment? Je disais, on vient prendre des nouvelles. On t'embête pas parce qu'on sait bah, après que tu te mets dans ta bulle, hein, ce qui est tout à fait normal. Hein. Ensuite, j'ai envie de dire, tu as passé le premier combat avec la pesée. Et ensuite, Ouais. voilà.
Il y a la suite qui On a s'enchaîne. fait plus. Aujourd'hui, ça va assez vite s'enchaîner. Il y a photo shooting. Après le photo shooting, il y a l'heure pour s'entraîner. On a une heure où on peut un créneau horaire pour aller s'entraîner, reprendre des sensations. Et Johan. Et du coup, la journée, elle va s'enchaîner assez vite. Donc voilà. Après demain, par contre, demain, je serai vraiment dans ma bulle. Demain, il n'y a rien à part les bandes, le bandage et après le soir, il y a l'événement. Il y a les fameux Alors, combats. Voilà, je suis le impatient. fameux. Alors, il y Ouais, a on a. Super Cartel 619 qui dit fais le taf, frérot. Ouais, c'est pas le taf, frérot, c'est mon voisin. C'est, il m'envoie la force, il envoie la force aussi. Il y a Oumar aussi qui a mis des feux. Omar. Lourd. Lourd, Ah lourd, ben merci lourd. à tous ceux qui sont là, en tout cas. C'est clair, on t'envoie des bonnes ondes, de la force à fond, hein, parce que c'est on est trop contents quand même, les gars, l'Octagone. D'ailleurs, j'ai un petit message spécial pour RMC Sport. Hein, vous allez dire, je suis encore une relou. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez gérer un petit peu les droits pour l'Octagone pour qu'on puisse suivre ça aussi sur RMC? Parce qu'ils ont de plus en plus d'organisations et c'est vraiment bien. Et l'Octagone, ce serait bien. Parce que là, avec déjà, on a Jorick qui est dans la place. Il y en a d'autres. Hein. Oui. Il y en a Ah, d'autres. Il y a il y en a d'autres. Chou aussi, hein, je crois, qui est dans la place. Il y a Il y a qui? J'ai pas également entendu. Cheikh Koné. Check, ouais, il a combattu Il a à combattu, donc de temps l'Octagone. en temps, ça lui arrive d'être là-bas. Et Ouais. également Alex Lohoré, qui vraiment, le fait d'aller dans la deuxième catégorie, là, en welter, c'est, je pense qu'il vise le titre de double champion. Il veut un truc comme ça. Hein. Moi, je le vois Ouais. venir. Donc, Il y a Dria aussi qui est du club du Nord là qui combat aussi à l'Octagone. Non, on a des on commence à Français. s'impliquer, on commence à s'imposer. On a des Français qui sont sur place, donc s'il vous plaît, RMC Sport, s'il vous plaît. Si vous pouvez voir ce que vous pouvez faire de votre côté pour qu'on puisse voir l'Octagone facilement, ce serait cool. Merci d'avance. Ouais, je pense que ça va pas tarder. Là, il commence à prendre une ampleur où je pense que ça va pas tarder. L'événement est sold out. Donc sold out sur une arena qui fait 20 000 personnes. Donc en fait là Oh ça là commence là. plus gros qu'à 20 000. Bercy. Ouais. Donc Bon, ça là met la c'est pression ou pas? Tu vis ça, bah, de toute façon, t'es non. un petit peu habitué quand même, parce que les autres fois aussi, c'est pas des petits arénas, quoi. Non, c'était pas aussi gros. Franchement, c'était pas aussi gros. Et là, j'ai vu l'aréna, j'ai regardé, je me suis dit, OK, va falloir que je passe avant que l'aréna se remplisse, que je puisse vraiment voir l'intégralité de l'aréna, parce que ça permet de rentrer, de pas être surpris, parce que des fois, on rentre, on peut qu'on soit en terre hostile, on regarde autour de soi, on voit pas le fond de l'aréna, on se dit, wow! Mais du coup, ouais, là, franchement, c'est le plus gros événement que j'aurais fait de ma carrière. Et enfin, pour le moment, j'espère que j'aspire à faire plus grand, mais. Oh, mais on espère, on y croit, on y croit. Non, mais c'est vrai que je constate que c'est important, finalement, parce que dernièrement, au MMAGP, donc je voyais les combattants vraiment aller voir la salle, aller à découvrir, prendre vraiment des sensations, même lorsqu'elle était vide. Et avec Ouais. Cédric Doumbé, on a fait le tour carrément de l'octogone, mais quand il y avait du monde, il m'a dit qu'en fait, il avait besoin de prendre les énergies. Ça Quand il y compte, avait en du fait. monde. Ah oui, ça compte. Oui. Ça compte, ça compte. Personnellement, je préfère quand l'aréna elle est vide. Personnellement, moi, je préfère quand elle est vide, comme ça, je teste un peu la cage, je sautille un peu, je teste un peu les filets, voir si les filets sont bien tendus, voir comment, s'il y a un rebond, si je m'accule contre la cage, voir comment ça va rebondir et tout. Donc en vrai, je préfère le faire avant, mais après, je pense chacun truc. Moi, je trouve la force au travers des 3 petits coups de fil que je vais passer avant de rentrer dans la cage. Monsieur Ouais, explosivité. bah, pété! Ça va péter. Et là, par exemple, pour ton face-off, tu as une idée de ce qui va se passer ou toi, tu vas tranquillement et en fonction de ce qui va de ton adversaire, ça va aller au feeling. Ouais, en vérité, c'est pas du tout en fonction de mon adversaire, c'est moi qui mène la danse partout où je vais. Donc moi je suis tranquille, je suis avec mon préparateur physique, il est là, il m'apaise, il a les bons mots, ça fait longtemps que je travaille Il avec lui. Il y a s'appelle. Daniel qui arrive demain, David Vincent. Ok, on Et salue. salut à lui. Et j'ai Daniel qui arrive demain, qui va finir de faire tomber la pression avec son expérience. Et voilà, je pense que ça va le faire. Il n'y a pas de souci que ça ne le fasse pas. Ça fait un an que je travaille, ça fait un an que je travaille. Et déjà, Quelle j'ai année? beaucoup moins de pression. Ouais, cette année-là, j'ai voulu l'oublier vite et elle va se finir sur une belle performance comme ça. On passera à autre chose. Ouais, parce que franchement, ça a été une année, hein. Mais bon, moi j'ai confiance. J'ai confiance. D'ailleurs, les petits messages le disent aussi. J'ai vu passer des messages, bon, encore des messages de soutien. Il y a un Rodolphe Doppler Battesti. Force à toi, champion, on croit en toi.
Merci, Rodolphe. Antonine, force également. Et Super Cartel 619, KO et rien d'autre. Ah ouais, il y a des commandes aussi. Hein. Ouais, il y a des commandes, il y a des commandes, il faut que je Ah, regarde la il y a aussi galerie. une bonne shot vidéo, troisième round. Ah ouais, donc, ah, j'avais pas vu, il y a Gon qui est là, coucou Fred. Donc, du coup, bah, voilà quoi, hein, force à toi, en tout cas, on va pas t'embêter trop longtemps. On est là juste Merci, pour merci dire, bon, pour on elle. te soutient. N'hésitez pas tous à mettre des commentaires, vraiment, force, voilà quoi, tout le monde est là. D'ailleurs, bon, après, je pense que t'as pas vu forcément parce que, bah, tu passais à ce moment-là, mais sur YouTube, alors, il y a un gars qui s'appelle Jez, je suppose que c'est un gars, je ne sais pas, qui a mis à chaque fois Jorick le Montagnac champion. Et à chaque fois, mais ça redondant, hein, Jorick Montagnac champion. Et il y avait aussi Montagnac Laurie, enfin, c'est un truc de ouf, mais ça revenait tout le temps. Alors, je pense que lui, c'est celui qui a mis le plus de commentaires et on a le plus vu. Ah Donc, ouais. bah, merci à lui, il a travaillé pour tout le monde. Non, mais c'est parfait, il a fait le job. Il faut, franchement, il en faut, je le remercie parce il faut des gens qui soient là pour savoir qu'on vient représenter la nation. Et puis, en plus, qu'il puisait, attendez, bougez pas, je vais vous. Qu'il puisait pour dire à quel point on est en terre hostile. Sur le suite, il rajoute maintenant les drapeaux. Donc en fait, c'est pour que tu saches, pour que tout le monde soit au courant directement d'où tu viens et que ce que tu représentes. Donc on est Ah là, ouais, bah on vous dit tous qu'on est là et on arrive très très ouais. fort. Ouais. C'est pour faire les huées à ce moment-là. Comment? Pour huer à ce moment-là, quand on va français, on fait ouh, pas Ouais, eux. pour que tu sois sûr, ouais. Pour que tu sois sûr qu'il faut huer, mais c'est ce que, comme j'ai dit, j'aime trop les faire mentir. Je vais rentrer, ils vont huer, je vais ressentir, ils vont m'applaudir. C'est ça le plus important. Mais bon, statistiquement parlant, même si on sait que ça ne veut rien dire, il me semble que ton adversaire, j'ai regardé, je crois qu'il a une série de 5 victoires, 4 Ouais. défaites et 5 victoires. Donc normalement, il sait faire série de 5 victoires, il ne va pas au-delà. Donc normalement, c'est toi qui gagnes. On est d'accord? Ah, Ça non, bah même au-delà des chiffres, on ne peut. veut rien Si on dire, on commence te à. prévient. Ouais, si on commence à rentrer dans les chiffres, je pense aussi qu'il a une terreur des Français, grâce à Oumar d'ailleurs. Je pense Oui! qu'il doit avoir, il doit se dire, les Français comme ça là, ce genre de Français là, on les connaît, ils ont la dalle. Bon, en tout cas, je vous donne des grosses forces. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit moment. On compte sur toi pour nous faire vivre un peu les choses de l'intérieur quand on aura l'occasion. Après, Yes. hein, tu montreras les vidéos que tu as pu faire. Et puis, voilà. Grosse force, Ok, la je vous team, remercie. on est avec vous. D'ailleurs, il y a Aliyah Voilà. aussi qui est là, que je salue. Grosse force, merci. Et puis, comme d'habitude, hein, vous vivez un petit peu les émotions, vous découvrez vraiment ce que ressentent les combattants. On essaie à chaque fois d'arriver sur des moments clés. Donc là, c'est un moment clé. Tout à l'heure, il y a la pesée à 17 h, le face-off. Je compte sur vous, c'est sur YouTube également. Vous pouvez voir YouTube Octagone. Donc voilà, tout simplement pour les rendez-vous. Puis moi, je vous invite à vous abonner à MMA Story France. On compte sur vous pour nous donner la force également. Et parce que nous, on la redistribue quoi qu'il arrive aux combattants. C'est important, c'est Ouais, c'est important. important. C'est Merci important. Jorick, De en toute tout façon, cas. merci Porte-toi Sandrine. bien. Et puis, Il y a encore des messages qui diffusent. Je pense que tu les as vus. Donc, merci à tous ceux qui envoient la force. Allez, yes. salut. Merci les gars. Enfin, Ciao. ciao. Ah, il y a une petite question. Hop. Le combat, du coup, on mettra le lien, mais c'est pay-per-view, hein, comme d'habitude. Donc, oui, le combat est visible au sauveur, mais en pay-per-view. Je ne sais plus c'est combien. Voilà, tout simplement. Mais ce n'est pas sur YouTube. Sur YouTube, je crois qu'il y a le premier combat et ensuite, bah, donc voilà. Merci à vous. Je crois que ça commence à 18 h. De toute façon, ce vendredi 30 décembre. Voilà. Allez, à bientôt. Pensez à vous abonner. Ciao.